qui est difficile dans ce projet, en fait, c'est qu'une poésie a plein de deuxième sens qui résonne dans la tête de l'auditeur, du lecteur, pendant longtemps après, parce qu'ils ont plusieurs significations. Voilà. Dans la musique, ce temps-là est beaucoup plus long. Et tout est comme ça. Si tu mets de la musique avant, comment veux-tu faire passer ça? Ça, c'est bien dans un silence. Okay. Un grand silence. Et un mot. C'est du Beckett pur. Folie. Folie que de ce. Depuis. Folie. Depuis ce. Donner. Folie donnée de ce. Comment dire. Ceci. Est-ce qu'on peut faire un tout petit essai son de la voix de Gérard, s'il vous plaît ? Oui. Allez, où le son ? Bah oui, mais il faut les micros. Oui, il faut que les micros. Est-ce que Sébastien en a parlé ? Il trouve que les micros sont trop... Ah bon ? Oui. Oula ! La nuit nous appartient, c'est très bien, parce que la nuit, ça nous amène vers nos démons. Et puis, il faut bien raisonner ces démons. Il n'y a que la poésie ou la musique qui peut raisonner tout ça. Contrairement à beaucoup de gens, je n'ai pas de costard, je n'ai pas de costume, de chanteur, d'acteur, de rien. Se mettre à nu, c'est... Non. Je suis à nu et sans peau. Je reconstruis le corps, brûlé de belles fièvres. Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas. Et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres. En fait, c'est très difficile de construire une dramaturgie liée des œuvres musicales à quelques poésies. Il n'y a pas vraiment de dramaturgie. Et c'était difficile pour moi qu'il y ait un début de concert et qui va vers la fin. J'arrivais pas vraiment à trouver l'idée. Je me suis retrouvé très seul avec ce concept-là. À force de m'être cherché, c'est toi que j'ai perdu. À force de m'être cherché, c'est toi que j'ai perdu. C'est toi. Que j'ai perdu. Je t'ai perdu. Maintenant libre de toi, c'est là que tu me manques. C'est là. Que tu me manques. Tu me manques. Tant de solitude depuis ton départ. Même le fond se vide, plus de sens à rien. Tu étais dans ma chair, tu étais dans mon sang. Plus pareil sans moi, plus moi-même sans toi. Même le fond se vide. Et tout s'efface, plus de sens à rien. Irais-je alors avec les anges maintenant que tu es parti? À trop m'être cherché, c'est toi que j'ai perdu. À trop m'être cherché, c'est toi que j'ai perdu, c'est toi. Que j'ai perdu. Soudain, vive le roi !
à la crinière en arrière, entrait le lion. Très britannique, la mine altière, vêtu de soierie, au ton chatoyant. Soierie de lion, évidemment. Il est fort élégant, mais très timide aussi. À la moindre vétille, il rugit comme une vieille fille. Peuple des animaux, écoute-le, tais-toi, tais-toi. Laisse faire sa sens. La musique est ton roi. Jouant à cache-cache avec on ne sait qui, le coucou vieil apache vient de voler un nid. Final. Les enfants même qui crient, venez là, ici. Mettez-vous derrière là, venez les enfants. Là. Venez, là. Là et là. Alors là. Et maintenant, ça y est, on danse, on fraternise. Le loup avec l'agneau, le renard avec le corbeau, le tigre avec le chevreau. Comme c'est joyeux, comme c'est beau, le carnaval des animaux. Et puis, quand la nuit se fera plus claire, quand la musique aura décidé de se taire, les bêtes feront la queue au vestiaire et la vie reprendra à nouveau et on se craindra. Hier soir, j'étais à Bruxelles. J'ai fait 3 opéras. J'avais une chose avec des textes, des musiques d'Isaé, de Bartok, des choses. Et il m'a menti. C'était Philippe Graffa, qui était un grand violoniste.
Et j'avais fait déjà avant, j'avais fait plein de choses. En plus, j'avais fait pour les enfants. J'avais fait monter le carnaval des animaux, j'avais fait monter le petit taureau. Et le soir, on avait encore cette chose. Et j'étais vraiment fatigué. Je me suis endormi un peu dans la loge. Et j'avais fait un courant d'air sur mon cou. Et je me suis réveillé, j'étais pas très bien. Mais en même temps, je me disais, bon, ça va aller. Et là, je le vois tout à coup changer les feuilles dans le livret que j'avais. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous, bordel ? Il dit, non, parce que là, on va faire ça, on va faire ça. Je dis, mais attends, on va faire ça. Mais moi, je suis pas au courant, là. Je suis fatigué, je pourrais pas. Et puis, je pourrais pas, et j'ai pas pu. Je vous venir le temps où vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore, ainsi qu'elle n'en s'ensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique, et langoureux vertige. Ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir. Le choc. Le choc. Quand, après avoir roulé un certain temps sur les chemins du désert et n'avoir vu que des paysans se rendant aux champs, nous nous retrouvâmes soudain au milieu d'un fleuve, soldat de la poussière, au milieu d'un fleuve de soldats. Depuis lors, je sais qu'un regard, peut avoir des doigts. Toute une main, s'il le faut. Avec les années, mon souvenir s'est resserré sur ces quelques clignements d'yeux qui se nichèrent brièvement dans les miens. Tout autour, le reste devient vague et flou.
sur ses yeux qui me regardent. De plus en plus. Comprime une vie entière. Dans le regard. Ah oui. C'est ça. Tu vois. C'est ça, mais c'est ça, je te comprends. Non, ça va, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Non, je voulais dire, je voulais le faire chier un peu parce que. Je vais vous parler de. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit la même chose. Je pense qu'il s'est trompé. Abruti, il s'est trompé. Ah oui, si. Le sommeil des dieux. Vous connaissez le sommeil des dieux? Moi non plus, je ne connaissais pas. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup... Je pense que c'est quelque chose qui m'a... alerté sur ce qu'on est. On pense toujours que les autres sont des autres, mais on ne pense jamais comment les autres peuvent nous ressembler. Alors c'est un poème de... Ce sont des mots de... Erwin Mortier. Le choc quand, après avoir roulé un certain temps sur les chemins déserts et n'avoir vu que des paysans se rendant aux champs, nous nous retrouvâmes soudain au milieu d'un fleuve de soldats. La poussière, depuis lors, Je sais qu'un regard peut avoir des doigts et toute une main. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Je l'ai déjà dit, ça? Alors, peut avoir des doigts? Ah ben alors, tu vois, ils m'ont bousillé mon texte, là. T'es sûr que je l'ai déjà dit? Que pouvons-nous faire? C'est la question que je me pose. Si ce n'est raconter tôt ou tard des contes surchargés et de notes. Un fragipanal. Alors. Ça veut justement, ça me le demande. Justement. Je dirais tout simplement ce que je crois. Ça veut dire que pour nous faire, c'est la question que je me pose.
si ce n'est raconté tôt ou tard de contes surchargés et de notes de merde. Je ne sais pas si j'aimerais devenir centenaire, disait mon frère. Merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait ici. J'ai été libre avec vous. Merci à vous. Moi aussi, j'ai dit l'harmonie du soir, j'ai dit un test d'Erwin Mortair, qui était très beau sur la guerre 14. Puis là, sur le coup, j'ai entendu, mais tu l'as déjà dit, celui-là. Alors j'ai dit, ben oui, je l'ai déjà dit, mais il m'a changé mes textes, là. Et j'ai dit quoi? Bon, d'un seul coup, je me suis, hop, sorti bourré. Mais t'avais réellement bu? Ben j'avais, non, je pense que j'étais fatigué parce que je venais de Chine, de Bulgarie, de... Mais enfin, je m'étais arrangé pour boire aussi. Mais c'est quand même un peu flirté avec la mort, tout ça, non? Je n'ai pas flirté avec la mort, parce que les gens sont très heureux quand on les avertit. S'il te plaît, tu ne vas pas me faire un procès. Oh non. Survie grâce à une foi. Et c'est quoi la foi? C'est simplement ce que nous sommes, et c'est de ne pas sombrer. C'est ça qui est intéressant dans l'aventure humaine.